Un autre jour d'école. Qu'est-ce que... Impoli. Bon, tant pis. Oh, ben moi aussi. Attendez une minute. Je ne crois pas qu'on m'ait fait une farce. J'ai un admirateur secret. Mais de qui s'agit-il? Oh oui, je veux bien t'épouser. Nous serons ensemble pour toujours. Arrête de rêver, Kendall. Il est temps que tu te mettes au travail. Mode Sherlock Holmes activé. Je dois élucider ce mystère. Oh, attendez une minute. Hé, hey, qu'est-ce que tu me veux maintenant? Cela vient-il de toi? Mes lèvres sont scellées. Et si je te donnais ceci en échange d'informations? Non, tu ne peux pas acheter ma loyauté avec du chocolat. Wow, une vraie reine du drame. Hé, hey, attends ici, d'accord? Je sais que cela va la faire parler. Elle est incomprise, vous savez. Elle veut juste des amis à qui elle peut parler. Regardez cette mini Megan avec son joli petit nœud. Je suis de retour et je ne suis pas seule. Ceci est pour toi. Waouh, on va tellement s'amuser ensemble, mon ami. D'accord, tu m'as convaincue. Je vais te donner une information top secrète. C'est lui qui a mis cette boîte dans ton casier. Mais il n'y a rien ici. Tu devrais regarder plus de films d'espionnage pour apprendre ce genre de choses. Oh, waouh! C'était une astuce vraiment cool! Alors, c'était Spidey, hein? Piou, 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 piou! Vous avez volé mon cœur! Waouh, merci! Je dis Spidey, oups, je me suis trompée. Une transformation en super-héros s'impose à ce stade. Dégage du chemin, Gwen Stacy, parce que la Mary Jane de Spider est ici! Hé! Hey! Oh, waouh! Je crois que je viens de trouver mon âme sœur. Oui, ce serait mon âme à moi. Vous êtes la Spider-Girl que j'attendais. Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. Nous n'avons pas à attendre le serveur. Voici un milkshake à la fraise, madame. Oh! C'est mon préféré. Je vous remercie. Waouh! On avance vite, hein? Officialisons notre relation par un premier baiser. Quoi? Non! Oh non, vous allez bien? Je vais vous sauver, mademoiselle en détresse. Tenez, prenez ça. Non! Attends une minute. Tu n'es pas la vraie personne. Tu m'as menti. Je m'en vais. Oh, mais ce n'est pas toi qui m'as laissé cette boîte d'amour? Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais je crois que j'ai une idée de la personne qui a pu te la donner. Ce n'est autre que Super Mario, bien sûr. Eh bien, bon, bye! Voilà un vrai rebondissement. Faites place à la princesse, tout le monde. Oh, mon peuple m'aime! Oh, il faut que je devienne un membre de la famille royale. Pour l'instant, on dirait davantage un cosplay qu'un relooking. Bon, d'après mes recherches, je dois commencer ma transformation par les cheveux. Waouh! Les blondes s'amusent plus que les autres. Des cheveux, c'est fait. Narnia, me voilà. Ah! Waouh! Considérez cela comme ma séance d'exercice quotidienne. Au moins, j'ai la robe qu'il me faut. Voyons donc ce qui figure ensuite sur ma liste. D'accord, ce sont les lèvres. Je vais utiliser l'astuce de l'anti-cerne pour créer les lèvres spécifiques de la princesse Peach. Hé! Ce n'est pas comme si cette nuance de rose appartenait à Barbie, n'est-ce pas? Lèvres, c'est fait. Et enfin, nous avons les yeux. Voici l'outil de bricolage par excellence. Si vous n'avez pas encore de pistolet à colle, qu'attendez-vous? Je suis prête à rencontrer mon prince charmant. Je veux dire Mario. Allons-y. Oh, attendez une minute. Pouvez-vous croire que j'ai presque oublié de les porter? Mario! Où es-tu? Oh, je ne m'attendais pas à la voir, mais c'est bien. Hé, hey, Peach! Oh, je peux vivre avec ça. Hé, hey, tu veux jouer? Bien sûr, mais... je ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, je t'apprendrai. Alors, commençons. Tiens ça. Prête à jouer? Oui, c'est ça. Ok, donc tu dois te balancer comme ça. Ok, 3, 2, 1... J'ai les yeux rivés sur la balle! Mamma mia! Wow! Oh, tu as vu ça, Mario? Bon travail, oui. Oh, la chance des débutants. Oh, attends, laisse-moi t'aider. L'amour de ma vie. Oh, tu me flattes. Je peux avoir un baiser, ma chère? Ah, ça se passe pour de vrai. Mario! J'attends. Est-ce que c'est... Mais trompes-tu? Ouch! Qui est-elle? Attends un peu.
Oh! Que fais-tu avec elle? Menteur! Non, attends, elle m'a piégé! Je ne le méritais pas! Peach, je suis désolé! Oh, pourquoi? Reviens, Peach! Je dois faire quelque chose. Attendez, je dois les aider à se remettre ensemble. Allez, vous me connaissez. Je ne savais pas qu'il avait déjà une relation. Mario, j'ai fait ceci. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, arrête de pleurer et donne ça à Peach. Oh, j'espère que ça va marcher. Hein? Je t'aime, Peach. Oh, Mario! S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je te pardonne, idiot. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Bébé! Mais qui est mon admirateur secret? Est-ce Ken? Ce peigne pourrait être un indice. Je t'ai trouvé, mon amour. Bébé, tu es si belle. Merci. Je devrais aller lui parler. Hé, attends-moi! Oh mince, j'ai fait un gâchis. Barbie est toujours une source d'inspiration. Et on dirait que j'ai tout ce qu'il me faut ici. Je pourrais jouer dans le clip de Dua Lipa en portant cela. I'm a Barbie girl in a Barbie. Oh, le voilà. Quoi? Elle veut m'imiter? Je vais lui donner une leçon. Pourquoi est-ce que tu me copies? Je suis la vraie Barbie. Tu n'es qu'une fausse. Pour qui tu te prends? Eh bien, je vais vous laisser seule, mesdames. Eh bien, bonjour, beau gosse. Oh, c'est Ken, bien sûr, comme d'habitude. Quoi? Qui coiffe tes magnifiques cheveux? Eh bien, je le dois à mes gènes. Mais je dois dire que mes peignes à cheveux hors de prix m'aident aussi. Oh, attendez. Ce n'était donc pas le sien? Pendant tout ce temps, je courais après la mauvaise personne. Oh, j'abandonne. Je ne trouverai jamais qui m'a donné cette boîte. Je me sens si stupide! Je serai juste moi-même à partir de maintenant. Je ne changerai jamais qui je suis vraiment. Oh, qui m'envoie un SMS maintenant? Que ferais-je sans ces lunettes? Oh, je ne veux pas quitter ma maison, pour être honnête. Mais d'accord. Hé, ça va? Non, je n'ai pas pu découvrir mon admirateur secret. Aujourd'hui a été le pire jour de ma vie. Je crois que j'ai un aveu à faire. C'était moi. Quoi? Tu te moques de moi? Hé, hey, Kendall! Kendall! Qu'est-ce qu'elle regarde? Oh, je me demande si elle m'a déjà remarqué. Peut-être que je devrais arrêter de désespérer et prendre les choses en main. 1, 2, 3, 4, 5, et la victoire est à moi! J'ai gagné! Elle est encore plus belle quand elle est heureuse. Ce jeu est intense! Ouh, à l'aide! Le chewing-gum est coincé dans mes cheveux! Oh, non, ne t'inquiète pas, je vais l'enlever. Et c'est fait! Oh, merci! Que ferais-je sans toi? Tout ce temps, c'était toi? Alors, tu veux être avec moi? Oui, de tout mon cœur! Je ferai de toi la fille la plus heureuse du monde! Dégagez de mon chemin! Wow! I believe I can fly! Oh, attrapez-moi! Tu m'as cassé la dent! Ce n'était pas mon intention! Prends mon chewing-gum, ça peut aider! Quoi? Ne sois pas un pleurnichard. Sois un dur à cuire. Ce n'est pas possible. Hé, regarde ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce que c'est que ça? Un concours de beauté? Waouh! Et la gagnante reçoit $150. Je peux m'acheter un nouveau skateboard avec cet argent. Hé, tu es là? Donne-moi ça. Quoi? Il n'y a aucune chance que tu gagnes à ça. Ah oui? Alors tu vas m'aider, mon chou. Maintenant, sors d'ici. Reste là et réfléchis à comment tu vas m'aider à gagner. Hé, ouvre la porte! D'accord, Lily. Il est temps de prouver au monde entier que tu as ce qu'il faut pour gagner. Maintenant, par où commencer? Je ne nie pas que ce sera un défi difficile à relever. Car j'admets que je suis le plus garçon manqué de toutes. Hé, aide-moi! Je n'arrive pas à croire que je fais cela. C'est une vraie peste. Mais, bien sûr. Je ne rejette jamais ceux qui ont besoin d'aide. C'est censé être moi? Tu ne sais pas dessiner, mec. Mais cela fait passer le message quand même. Nettoyons tout cela. C'est comme essuyer les vitres d'une voiture. Non pas que j'ai une voiture.
Vous savez que je suis une adepte du skateboard. D'accord. Je suppose que je dois trouver tous ces ingrédients pour faire un masque de beauté. Mais comment est-ce que c'est arrivé ici? Quoi qu'il en soit, un de trouvé, trois qu'il reste. Hop, dans le bol. Ensuite, je dois trouver l'aloe vera. Le voici. C'est très pratique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà là. Suis-je une scientifique ou quoi? Oh oh. Hein? J'ai déjà des doutes à ce sujet. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai aucune idée comment je devrais procéder. Je ne déclare pas la défaite ou quoi que ce soit d'autre, mais je dois consulter un professionnel. Toi, montre-moi comment on fait un relooking. Ah, mon Dieu, ton cas est plus grave que je ne le pensais. Tu dois couper ça, tu sais. Oh! Mes compétences de barista me facilitent la tâche. On presse pour extraire le jus. Tu vas te sentir comme la reine des abeilles. Je sais que ça a l'air délicieux, mais ne bois pas ce mélange. N'oublie pas que c'est pour ton visage. Waouh! Ce produit a une consistance tellement bizarre. Il est tellement visqueux. Ok, bye. Je n'ai plus besoin de toi ici. Mais je pensais que tu allais... Ah, laisse tomber. Qu'est-ce que... Oh, un rose de Barbie? Aïe! Ce n'est pas ma couleur. Oh, waouh! Ce Zach sait vraiment ce qu'il fait. Mais maintenant, toutes mes cicatrices sont visibles. Maman m'a dit de ne pas trop me battre, mais je ne l'ai pas écoutée. Oh, où est ce truc? Ah ah! Enlevons ça. J'espère qu'ils ne sont pas périmés. Vous voilà. Comment on appelle ça déjà? Ah, le fond de teint. C'est ça. Voyons si c'est vraiment le teint qui me va. Un peu plus foncé que mon teint, mais ça va aller. Oh, oh, je ressemble à une peinture d'enfant. C'est moche. Je regrette de ne pas avoir appris plus tôt comment utiliser le maquillage. Tout espoir est perdu. Est-ce qu'elle essaye de me dire quelque chose? Si seulement elle savait que je regarde toutes ses vidéos pour l'aider. Cette méthode sera plus rapide qu'un message texte. Hé, hey, j'ai quelque chose pour toi. Oh, voyons voir. Oh, c'est cool. Je peux apprendre toutes les astuces ici. Heureusement que ces filtres existent. Je me sens inspirée. Tu t'en sors très bien, Lily. J'apprends vite. Avec mes nouvelles compétences, je peux même devenir maquilleuse professionnelle. Eh bien, elles sentent très mauvais. Mais c'est le mieux que je puisse faire dans ces circonstances. Ce n'est pas pire que de recevoir un coup de poing au visage. Quoi? Qui aurait cru que les gens s'adonnaient à des pratiques de baiser? Hé, Zach, voici une tomate pour toi. Tu sauras quoi en faire. C'est un peu grossier. Pourquoi a-t-elle... est-ce qu'elle insinue quelque chose? Je sais déjà comment embrasser. Oh, pourquoi maman ne peut-elle pas me laisser tranquille? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Hein? Quelle fleur? Oh, je suis une criminelle pour ne pas l'avoir arrosée. Désolée, mon ami. Attendez, peut-être que je n'ai pas besoin de la jeter à la poubelle après tout. Je peux utiliser le pouvoir des fleurs. Suis-je en train de devenir plus féminine ou quoi? J'y arrive petit à petit. Je crois que cela t'appartient. Wow! Comment se fait-il que je trouve toujours un moyen de tout gâcher? Attendez, je crois que j'ai trouvé comment faire des taches de rousseur naturelles. Je vous avais dit que je commençais à être douée pour le maquillage, n'est-ce pas? La créativité aide. On peut dire que je sors des sentiers battus. Une petite quantité suffit. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop. D'où vient ce son bizarre? Mais qu'est-ce que... Attends, c'est pas ce que tu penses. Nous pouvons garder ce secret entre nous. Oh non! Oh, je suppose que ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le schtroumpf maladroit. C'est ça qui te préoccupe. Ici, tu peux nettoyer les dégâts avec ça. Éloigne cette chose de moi! Ce ne sont pas des tampons sales, tu sais. Oh, les garçons sont si ignorants. D'ailleurs, ton petit accident m'a donné une idée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mettre que du bleu. J'ai besoin d'un peu de rose pour un effet fillette. Dis-moi, de quoi j'ai l'air? Tu trouves toujours le moyen de me faire rire. C'est beaucoup mieux.
Arrête de me regarder comme ça. Bien sûr, comme tu veux. Oh, ne me touche pas. Je connais le kung-fu. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouch! Elle aime rendre les choses difficiles, hein? Je relève le défi. Oh, je pense que j'ai besoin aussi d'un looking. Ou du moins, mes dents en ont besoin. Elles ressembleront à nouveau à des perles brillantes. Est-ce que c'est périmé ou quoi? Oh, là, je comprends. Oh, n'arrête pas de penser à Lily. À lui donner un vrai baiser d'amour. Ah, si seulement. Oh, attention! Je t'attrape. Oh non, tu es blessé. Tu ressembles à Eleven de Stranger Things. Oh, ne sois pas dramatique. Laisse-moi décoller ça. Ce n'est qu'un tatouage de lèvres. Revenons un peu en arrière. Ne me touche plus, je connais le kung-fu. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ces sentiments sont nouveaux pour moi. Quoi qu'il en soit, je vais les ignorer et continuer mon makeover au niveau des lèvres. Ça picote. Il y a quelque chose qui cloche. Presque un désastre. Dois-je appeler une ambulance? Peu importe, les mouchoirs en papier aideront. Si seulement il y en avait. Je suppose que j'ai encore besoin de Zack. Tu vois, c'est toute l'histoire. Ce n'est pas du sang, je vais bien. Oups, je te devais un chewing-gum, tu te souviens? Tu n'avais pas à le rendre. J'espère qu'il n'est pas collé dans mes cheveux. Oh, il l'est! Oh. Attends un peu, je connais une super astuce pour ça. Les glaces sur bâton à la rescousse. Elles sont à la fois délicieuses et utiles. Elles vont m'aider à sauver tes cheveux de réponse. Non. J'avais besoin d'une pause d'essai. Laisse-moi faire un truc pendant une seconde. Et voilà, plus de chewing-gum. Mais comment? Non, je ne suis pas fâchée. Ne t'inquiète pas, j'ai juste une idée brillante. Attendons que cela fonde. Je peux en garder un peu pour moi. Oh. Être un garçon manqué ne signifie pas que je n'écoute pas mes cours de chimie. Je sais donc comment mélanger les produits chimiques. Ouah, je pensais pas que t'en étais capable. C'est la bonne consistance. Il faut s'assurer que toutes les mèches de cheveux sont recouvertes de teinture. Je n'ai pas beaucoup de temps avant le concours de beauté. Il va donc falloir que j'accélère le processus. Je suis tellement intelligente que mon cerveau ne rentre pas dans mon crâne. Il est vide. Arrête de faire l'enfant. N'aimes-tu pas les révélations dramatiques? Appelle-moi princesse chewing-gum. Vraiment? T'es pas une princesse, du moins pas avec ses ongles. Mon chien, Monsieur Pickles, a eu la gentillesse de me laisser emprunter son nettoyeur de pattes. Waouh, génial! Je ne savais pas que mes ongles pouvaient être aussi brillants. Et maintenant, ils sont assortis à mes cheveux. je déteste te décevoir, mais ils ont l'air ridicules. Essayons encore une fois, d'accord? Cette astuce de colle t'aidera à appliquer le vernis à ongles à la perfection. Il n'y a littéralement aucune chance que tes ongles soient mal faits. Et enlever le vernis est si satisfaisant. La meilleure manucure de tous les temps. Oh, c'est un muffin. J'adore. J'imagine que c'était notre moment, la belle et le clochard, hein? Ne dis pas des choses aussi stupides et romantiques. On dirait que les Sprinkles ont trouvé une nouvelle maison. Prépare-toi à une douce tempête. L'élève a dépassé le maître, hein? Arrête de manger et viens avec moi. Je te reste ici. Attends, ne fais pas ça ici. De quoi tu parles? Je ne fais rien de mal. Phew! Les shorts de motard ont sauvé la situation. Il fait chaud ici ou quoi? J'ai vraiment besoin d'une boisson fraîche. Ma réputation de gentleman est en jeu. Oh non! Je suis attaqué par des pailles! Aïe! C'était vraiment inattendu. Tu vas bien? Quelque chose dépasse. Laisse-moi l'attraper. Considère-la comme ma baguette magique. Abracadabra! Ou plutôt, je devrais dire tordre et tourner. Il m'en faut quelques-unes comme celle-ci. Dolce & Gabbana, regardez la jupe que j'ai faite. Je serai la meilleure stagiaire si vous en cherchez une. Où vas-tu? Attends-moi! Je n'ai pas de haut pour ma jupe.
Je n'arriverai jamais à participer au concours, n'est-ce pas? Je déteste voir pleurer comme ça. Ces mouchoirs ne suffiront peut-être pas à essuyer mes larmes. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Je fais cette petite fleur rien que pour toi. Waouh, c'est magnifique. Merci. Je n'ai rien à te donner en retour, sauf ceci. Merci, j'imagine. Je l'emporterai partout avec moi. Attends, Zach, tu es un génie. Oh, attends, je suis un génie, parce que j'ai une idée géniale. J'avoue que c'est toi qui m'as inspirée. Attends, une fleur ne suffit pas. Il me faut un bouquet. C'est presque terminé. Ça donne tout à fait l'esprit bohème de la fille de fleurs que je recherche, n'est-ce pas? Ah, oh, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Hé, tourne-toi! Est-ce que ça tombe bien? Puis-je regarder maintenant? Waouh, je ne t'ai jamais vue aussi belle! Tu mérites toutes les fleurs du monde! Zach! Hé, Zach! Qu'est-ce que tu marmonnes? Zach! Oh, je crois que je l'ai cassé. Attendez, il ne saura jamais ce qui l'a frappé. Waouh! Aïe! Pourquoi tu fais ça? Y a-t-il une invasion d'oiseaux ou quelque chose comme plutôt ça? Plutôt une invasion d'Angry Birds. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas te laisser défiler avec ce vieux collier. Je t'en ferai un nouveau. Il ne vient pas de chez Tiffany, mais tu peux être sûr qu'il le fait avec amour. Nous remplirons l'oreiller de coton plus tard. Parce que ces plumes appartiennent maintenant au collier. Tu auras l'air de l'ange que tu es. Waouh! Comment pourrais-je te remercier? Tout ce que je veux, c'est que tu gagnes ce truc. Pas avec tes gants. D'accord, je suis prête maintenant. C'est parti! D'une chanson d'une icône de la mode. Strike a pose, come on, Vogue. À une autre. Walk, walk, fashion baby. La foule est folle de moi! Merci, mes chéris. Il a fallu du sang, de la sueur et des larmes. Oh! Hey, Lily, tu peux m'accorder un moment? J'espérais que tu serais ici avec moi. Oh! Je ne veux plus jamais te quitter. Oh! Hé! Hey! Pourquoi tu me gifles? Oh! Réveille-toi, tu vas bien? Qu'est-ce que... Où suis-je? Qui es-tu? Zach? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mec, je suis revenue au point zéro. Tout cela n'était qu'un rêve. Répare au moins mon skateboard ou achète-moi un nouveau. Tout ce que j'ai obtenu, c'est ceci. Bonne chance. Hein? Peut-être que ce n'était pas un rêve, mais une vision. Ah ah ah! Où penses-tu aller? Tu es mon prisonnier maintenant. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ferme pas la porte! Je suis claustrophobe! Hé!